Salut à toutes et à tous, c'est Sully, comment allez-vous? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Resident Evil 1. Let's go, la version PS1, c'est à nous. Donc là, on a trouvé un code, ok? Le truc c'est qu'est-ce que je peux descendre? Il y a une corde, voulez-vous descendre? Oui, je veux descendre. Parce qu'il nous a fait remonter, mais moi j'ai envie de descendre, voir ce qu'il y a en bas. Et s'il y a un peu de santé, ce serait cool. C'est quoi ce délire? Il y a un bouton, appuyez dessus, oui. Et mais c'est l'endroit qui remplace. Vous voyez dans le 1, dans le remake, on peut accéder derrière. Et on a une tombe qui s'ouvre. Et avec une flèche, tu mets une flèche et tu descends l'escalier. Et ça rejoint aux tombes. Donc je pense que c'est ici. Et une échelle, oui, descend. De toute façon, on a sauvegardé. Donc si ça va pas, on sait quoi faire. Oh, là, ça va être compliqué. Sachant que j'ai pas beaucoup de santé, il faut que j'en trouve. Oh là là, la musique. La musique qui fait grave flipper les poteaux. Olé! Bon, si on est un reptile, je suis mort. On va pas le calculer pour l'instant. Hein, on va les laisser tranquilles. Manger leurs potes tranquillement. Vous devez débrouiller. J'ai quand même un peu peur là. Oh, c'est la cuisine. Un four, c'est rouillé et ça fonctionne pas. De la santé. Oh non, je m'en jetais. Tu vas mourir, toi! Voilà, mon coco. Tac, tac. Faire attention, parce qu'il va se relever. Et moi, je veux... Là, on a un ascenseur. Ok. Lui, il a encore envie. Attendez, il faut juste que je trouve de la santé, s'il vous plaît. Ah, il est mort, hein. Où ça va nous mener? Où est-ce que ça va nous mener? Oh. J'y suis jamais allé ici. Si je me trompe pas, ici c'est très risqué d'y aller, non? Attendez. Ah oui, exactement. Donc non, pas bonne idée. Il y a les deux reptiles. Donc là pour l'instant ça sert à rien d'y aller. On va se faire niquer, on met autre chose. Pour rien en plus. Le zombie s'est réveillé. L'ascenseur. Ah, il s'arrête pas à l'étage d'en haut, mais il s'arrête en bas. Ok, d'accord. Oh. 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 Ça pue. Ça pue. Ah, de la plante. Oh, oh, oh. Ça va me sauver. C'est pas masse, mais ça va me sauver. En plus, j'ai pas beaucoup de munitions. J'ai vraiment plus beaucoup de munitions. Oh là là, ça va être la merde.
Si je sais pas où est-ce que ça mène. J'y suis jamais allé, je crois. Non, 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 j'y suis jamais allé. Donc ça va être la merde. Oh oui. Oh. Une batterie. Oh, ah ouais. On peut actionner la. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est vraiment nice. Attends, je vais déjà pas prendre les. Je vais prendre ça. Voilà. Nickel. On a des explosifs, ça c'est nickel. Allez. On est bon, là on trouve tout ce qu'il faut. Le plus dur est passé. On va dire ça comme ça. On va quand même, histoire de sauvegarder quand même, hein. Voilà, on a sauvegardé. Ici, on va avoir quoi ici? Si, je sais pas où est-ce que ça mène. Bon, à toi. Merde. Alors? Faut pas chercher à comprendre, mon coco. Je vais me prendre la tête, sinon. Bah. Une petite balle de pompe. Et une balle de pistolet. Voilà, il est dead. Non! Je peux pas. Oh, je peux pas les prendre. Hey! Comme de par hasard. Allez, dégage. On a joué au foot. Avec sa tête. Nice. On est où ici là? Allez, allez, allez. C'est fermé. Oh, comme par hasard. Putain, je suis venu ici pour rien. Pas grave. Oh, je suis en danger en plus et je peux même pas. Oh putain. Je suis en danger. Et je peux même pas. Même pas me soigner. J'ai pas de place dans mon inventaire. Toi dégage. Au moins les tue. Comme ça peut-être qu'après, on va pouvoir. Les flinguer. Donc elle nous mène où cette porte là? Allez, on n'en parle plus. Non. Nice. Ah lui, s'ils me disent qu'il est pas mort, il y a un problème. Tu les avais passe-partout. Les munitions de Magnum que je n'ai pas besoin pour le moment. De toute façon, je peux pas les prendre. Donc ça c'est. Il faudrait que j'arrive à utiliser la clé en vrai. Oh le bâtard. Il m'a fait tirer dans le mur. On a une disquette. C'est chaud les munitions là. Les munitions c'est très très chaud. J'ai loupé pas mal de balles en plus alors. Il
Il y a un bouton. Attends, je vais vérifier d'abord parce que là, je vais me faire niquer. J'ai quand même sauvegardé, hein. On va appuyer. Ok. Donc ouais, là j'ai fait nappe. C'est pas grave. À moins on sait où est-ce qu'il faut le mettre. Je suis impatient de faire le 2 parce que celui-là je l'ai déjà fait en version comme ça, hein, mais le 2 et le 3, les anciennes versions, je les ai jamais faites. Et là on a une porte qui va s'ouvrir derrière, il va risquer d'avoir un zombie à tous les coups. Ou pas. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Et en plus on peut rien prendre. J'ai pas de place. Ah bah ouais, bah c'était sûr, hein, bah bien évidemment, hein. Ah bah ouais. Pfff. Fais chier, merde. Fais chier. Donc là, on avait une porte. Attends, c'est quoi ça? C'est un bouquin, c'est tout? Ok. Nanana. Faites pause à chaque page si vous voulez lire. Moi je lis en post-prod. Parce que sinon, lire en live, c'est un peu une perte de temps, j'ai envie de vous dire. Donc là, on avait une porte tout à l'heure. On va aller voir. Si j'ai du soin, tant pis, juste une balle de lance-roquette, hein, tant pis. Hein. Si ce plan le cours, c'est un héliport. Si je pouvais contacter les autres membres de là. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. On a quoi là? Un truc de sauvegarde. Et en plus, je pouvais recharger parce que c'est 7 balles dans un lance-roquette. Dans un lance-patate. Pas grave. Attends, j'ai cru voir une plante, non? Non? Pas de plante? Non, il n'y a pas de plante. On va aller chercher la disquette. Non, la disquette. Ouah, je sais pas si on va aller chercher ça maintenant ou quoi, parce qu'on va être dans la galère après, non? Le mieux, c'est d'aller chercher. Attends. La disquette, je vais aller la chercher après, d'accord? Je vais aller chercher les plantes d'abord. Sinon, je vais me faire baiser. Je vais chercher les plantes avant. Je vais me faire avoir. Voilà, les plantes étaient vers là-bas, puis elles sont juste à côté. Non, elles sont pas ici. Autant pour moi, elles sont vers là-bas. Là. On en avait deux, on va pouvoir les combiner. Enfin, on va pouvoir les prendre une par une, du coup. Si je les combiner, ça va être un peu la merde. C'est pas ici. Oh. À chaque fois, je me gourre. C'est un manoir, les gars. Imagine quelqu'un qui habite pour la première fois dans son propre manoir. comment il doit galérer. Oh, je suis désolé. Ah. Voilà. Quel? Attention. Thank you.
Nice. Question d'y aller. Hein. Y a pas d'autres plantes ici. Hein. Parce que ici c'est fermé. Oh, les zombies se sont barrés. Y en a un qui je vais éclater la tête, mais il est encore là quoi. On va aller chercher la disquette. Avant qu'elle nous mette une disquette. Donc la disquette, elle était là-bas. Nickel. Ici? Non, elle était là-bas, la disquette. Elle tue la musique. Elle fait bader mais elle tue. Et là normalement il reste plus qu'une porte à ouvrir avec la clé. Ou deux. Comme ça au moins on va pouvoir s'en débarrasser. Nice, là on peut remonter à l'étage. On est good. Pas très attention aux munitions, mais de toute façon, si tu tues les ennemis, il faut les tuer les ennemis de toute façon. T'es obligé parce que sinon tu meurs. On a la batterie, c'est vrai aussi. Il faut qu'on va à l'ascenseur mettre la batterie. La musique flippante, ah ouais. Truc de dingue. Donc attends, je vais juste regarder le plan. Ok. Là on est ici. Premier étage c'est ici, on n'a rien à ouvrir. Tout est ouvert, sauf la petite pièce. Et là on a une petite pièce à ouvrir. Vous voyez. Donc ça c'est au deuxième étage. Faut que j'accède au deuxième étage. Et si je passe par là, je vais clamser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer. Mais ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est qu'on va sauvegarder avant. Nice. Allez, let's go. Le jour de gloire est arrivé. Vous l'avez déverrouillé. Et là, on va avoir les reptiles. Et on a combien de balles? On en a que 6 en plus. On peut passer ici? Normalement, oui. Ah, c'est la salle du piano. Merde. Pourquoi je suis passé ici? C'est un cul-de-sac. Rien à faire les potes. Bon mais ils m'ont défoncé. Oh combien ils m'ont défoncé. Oh putain combien ils m'ont défoncé ces fils de pute. Ouah tu sais quoi regarde tac. Chargé, je vais pas me prendre la tête parce que là ça va me saouler. Là je visais des balles pour rien là, c'est joué ridiculement. On va la jouer safe, on va la jouer safe. Autant prendre son temps, faut pas être. Ouais, gros. Ouais, gros.
C'est nappe, hein. C'est nappe, le jeu il a bugué de ouf. Les machins ils ont explosé. C'est pas grave. On va la jouer safe, on va la jouer safe. Sainte, faire le barbare. Esquive. Ils reviennent tous, hein, ces salopios. Ça, ça sert à rien d'user mes munitions en vrai. Pourquoi je vais user mes munitions à tout prix? Oui, je le veux. Vous le valez bien? Oui, je le valais bien. Ok. On va remonter à la corde. Nickel. Ok, là c'est bon, ça sert à rien. On va aller mettre la batterie. Je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire. On va aller déjà à l'étage vérifier parce qu'on a une pièce encore à ouvrir et il faut qu'on se débarrasse de la clé. Le temps qu'on n'aura pas débarrassé de la clé, ça ira pas. Parce que si je me débarrasse de la clé, je peux déjà me... Comment dire ? Là on est ici, d'accord ? Je retrouve chemin. Quand je descends l'escalier. Merde, putain, c'est chiant. Je descends l'escalier. Tac. Ça me fait aller tout au bout là-bas. Ok, ça marche. Donc non, autant retrousser chemin par là. La poignée est cassée. Ah putain, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. Et j'avais oublié. Et oublié. Et là, on arrive où ici? Nulle part. Là, normalement, on a peut-être encore le reptile à tuer. Non, même pas, on l'a fait. Non, on s'en est occupé. Je m'en rappelais plus. Ok, toujours tout droit, on n'a pas de soucis à se faire. Nice. Nickel. Le reptile, il est mort, mais il s'est barré. Donc, il va revenir. Tous les coups. Ok, on va prendre par en haut. De toute façon, je pense même que c'est en haut que je dois utiliser la clé. Ok. Il est sérieux, lui ? Ouais. En gros, je tire dessus, ils prennent pas. C'est ça qui est chiant avec les anciens jeux, c'est que c'est tellement buggé à des moments que tu demandes comment ça se fait que ça le touche pas. Le truc qui se passe juste à côté de toi mais tu prends pas de dégâts, donc ça c'est un peu la merde. Oh putain, on en voulait un autre. Il a pas voulu tirer, vas-y la blague. Putain. Ah oui c'est vrai, oui, je sais maintenant, je sais. C'est bon. Il y avait le code. J'ai entré le numéro d'accès. Nickel Chrome. Oh. C'est juste pour venir ici, super. Elle m'a sauvé, tiens. Là, on avait une porte qu'on pouvait pas ouvrir. Il y avait le symbole du casque. Ici. Voilà, et en moins. La clé, on en a plus besoin. Et on a plus de munitions. Is so really not cool.
Qu'avons-nous là? Ordre. Top Secret Man 2. L'attention du chef, tatati-tatata. Vous appuyez sur pause à chaque page. Moi, je lis en post-prod. D'accord, les amis? Ordre. C'était juste des ordres. Là, on a. Munition de fusée à pompe. Nickel. On va les recharger tout de suite pour pouvoir reprendre quelque chose derrière. Nice. Là, on a quoi? Un ruban, je parie? Des munitions de magnum. Non, merci. Je les reprendrai plus tard quand j'en aurai besoin. Et là, on a normalement. On éteint la lumière. Voilà. On a le rubis rouge pour aller chercher le magnum, justement. Et là. Ça va être plus marrant pour nous. Mais la pierre rouge, maintenant, il faut savoir où est-ce que je dois le mettre, parce que je me rappelle plus du tout. Je sais que c'est une toute petite pièce. On va regarder ça tout de suite. Petite pièce. Un petit carré, quoi. C'est au premier étage, je pense. Ouais. C'est à gauche, là, à l'est. Et à l'est. Donc du coup, il faut qu'on descende directement. Faut qu'on descende directement. De toute façon, il faut que je vire le pistolet. Ce pistolet va me servir à plus rien du tout. Il n'y a plus de munitions de pistolet. On va sauvegarder. Dès qu'on a franchi la porte. Tac. Voilà. On va être safe un petit peu quand même. Là, on n'a pas de munitions du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller en bas. On va essayer d'esquiver les zombies, aller chercher le magnum et revenir chercher les balles qui sont à l'étage. Par contre, les autres munitions, je me rappelle plus du tout où ils sont. Oh putain de merde. Oh putain de merde, je m'ai ajouté. C'est pas grave. Donc attends que je regagne bien le plan. Continue. Ouais, droite, gauche. Nickel. On court. Allez, ça dégage. Putain, j'ai eu peur quand même. C'est pas ici en moins. Non, 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 non. Bon, ça va, je suis encore en attention. J'aurais pu essayer de tuer l'autre, mais bon. Ça aurait été très risqué. Tous les deux, ils auraient été sur moi, ça aurait été la merde. Donc là, c'est direct à gauche. Et il va y avoir un reptile, tu vois. Oh putain, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Lève là. Ah mais, je m'en fous, je veux le magnum. Hey of the tiger. Nice job, là on a le magnum les gars. On a 6 balles en plus dedans. Nice, nice, nice. On va pouvoir aller chercher les balles. Et remettre tout ça dans leur coffre, dans le coffre. De toute façon, normalement, ils one shot. Hein. Si je me trompe pas, ils one shot. On va tenter. On va tenter. Ça dégage, je vous l'avais dit qu'il one shot, moi. Je vous l'avais dit. Là, on va être plus safe. Regardez. On va attendre que l'autre y arrive, on va lui mettre une bastos et il va coucher net. Et là, les reptiles, ça va être une histoire ancienne. Par contre, fais pas trop le malin, mon gars.
Fais pas trop le malin. Paf, je sauvegarde et on est bon. Sérieux? What? T'as le bâtard, ça tirait pas dessus? Oh, comment j'ai le seum? Ah, mais moi je suis pas d'accord, là je suis pas d'accord, attendez. Non, moi je suis pas mis des munitions comme ça aussi facilement. T'es fou? Voilà, 2 balles, je t'ai dit. On a un menu de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Là, on a un antidote en plus. Des vitamines, des sérums. Ok, ça, c'est quand t'es empoisonné, tu peux revenir ici et rechercher ton sérum. Donc, attends, on va aller poser nos armes. Vos armes aux citoyens. Formez vos bataillons. Le pistolet. Une note où il est besoin. Le fusil à pompe, je le garde. Le briquet, j'en ai plus besoin non plus. Là, on va avoir de la place. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Resident Evil. Bref, je vous dis à la fois prochaine. Peace.